Oh, il y a un colis. Attends. En espérant qu'il ait pas le truc pour savoir si je l'ai piégé ou pas. Oh. Oh, vas-y, en live. Let's go. Je voulais voir cette scène. Jean-Louis, personne n'a pris mon colis. Personne ne l'a pris. Non, en fait, non. Pourquoi je dis ça, moi? Mais en fait, je suis maudit. Je crois que je suis maudit comme type. C'est pour affronter ce genre d'énergumène, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester, quoi? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui, on va s'attaquer concernant une arme que j'aurais jamais cru parler sur Cold War, étant donné que l'arme était très très forte au début, c'était clairement un des meilleurs fusils d'assaut du jeu. Ensuite, elle est devenue complètement nulle, c'était un pistolet nerf. Ensuite, elle a été réop, et pour être réop récemment dans la dernière mise à jour, pour ceux qui ont vu la vidéo, la FFAR. La FFAR, mon gars, elle envoie du steak désormais. Avant, c'était très clairement la pire arme du jeu, pire fusil d'assaut, zéro dégâts, rien du tout, un vrai pistolet à billes. Mais depuis la dernière mise à jour, l'arme est enfin devenue super bien, devenue grave cool, très intéressante et que je vous recommande fortement de jouer avec. D'ailleurs, petite info pour toutes les personnes qui jouent à Warzone, sachez qu'il y a eu un deuxième patch sur la FFAR, mais qui ne touche absolument pas le gameplay sur Cold War, donc ne vous inquiétez pas. Enfin bref, avant d'attaquer la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà, ça montre le soutien, le partage... Le soutien. Donc non, n'oubliez pas vraiment de lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Défoncez-moi la barre de like. Au niveau des intros, au niveau des gameplays, on est quasiment 3 ou 4 vidéos par semaine en ce moment, donc c'est plutôt assez cool. Donc défoncez-moi la barre de like, montrez votre présence, et en plus, voilà, on adore ça les youtubeurs, avoir un maximum de likes, et au niveau du référencement aussi. D'ailleurs, en parlant de référencement, est-ce que toi tu as essayé la FFAR depuis ce temps-là, ou est-ce que tu joues pas du tout à Cold War, ou tout simplement que tu n'es absolument pas fan de la FFAR? N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires. Je vous laisse d'abord avec un gameplay, ensuite avec la best class setup, et on se retrouve juste après. Okay. Normalement, le spawn est censé tourner en face. Ok. Est-ce que ça, j'appelle ça du respect? Absolument pas. J'entends des bruits de pas depuis tout à l'heure, mais je sais pas où ils sont. On va balancer le drone. Mon dieu, ce début de game est incroyable. Par contre, on a plus beaucoup de mun. Hein. Oh, putain, je t'ai pas vu, t'es dans l'ombre. Non, ah non! Bien sûr, mais spawn devant, c'est comme par hasard quand je recharge, évidemment. C'est bizarre, hein, quand je tiens une ligne ici, il n'y a jamais personne, quelqu'un qui recharge. Mais bizarrement, quand je recharge, faut que tu spawnes. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, c'est... Le script. Ok, bon, on a la vie ça pour après. Le problème, c'est que là, je vois plus rien maintenant. Putain!
Merci les bugs du jeu. À droite. C'est bientôt la fin. Ok. Bon, on a la visate, on a tout pour après. Ah, en solo. Ah, c'est compliqué, solo. T'as eu match ce matin, 1.15? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non, les amis. C'est incroyable comment tu tenais ta ligne, quoi. C'est... waouh. Ça va, vous campez à peine les mecs, hein. Vous me dites si je vous dérange. J'espère que vous avez pas espionnage là, parce que sinon je suis dans la merde. Oh. Putain, j'ai pas fantôme, j'ai rien. Les mecs, ils ont espionnage. Ok, on a quelques kills d'avoir la nuque, hein. Okay. On a 10 kills. Pour le moment, j'ai pas l'impression d'être aidé par les alliés. Ok. J'arrive juste pas que ça me spawn en fait. J'ai peur que ça me spawn back. Vous voulez pas revenir un peu? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain, je vois personne. Ouais, mais en fait, je sais pas du tout où ils sont. Y'a un sniper maintenant? Ok. On va pirater ça. On perd C. Ok, donc c'est de nouveau de l'autre côté. On va pirater tous ces trucs là parce que s'il y en a un qui décide d'aller au top, ça va être impossible. Elle bouge plus comme avant à la FFR. Ouais, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Magnifique. Tout ce que j'aime, ça. Regarde, il y a un mec sur C, un mec. Mais qu'est-ce que vous faites? La position actuelle. Mais ils sont où? J'en ai marre, en fait, de courir, là. On perd le point A. Ok, ils prennent A. Ma vie, l'allié. Ok, parfait. Vous voyez pourquoi j'ai piraté, comment ça s'appelle, le truc de gaz, ça? Putain, incroyable. Non. Putain. Et let's go nucléaire. Oh, fou, fou, fou. Eh ouais, frérot. Merci pour le trophy, d'ailleurs. C'est très gentil. C'est toi qui me l'a fourni, là, juste à l'instant. Non. Bah alors, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais après, je suis con. Moi, je sais plus balancer de grenade. Allez, let's go, nucléaire.
Enfin bref, j'espère que le premier gameplay vous aura plu. Maintenant, on va se retrouver concernant la best class setup. Et si c'est toujours pas fait, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, frérot. Non, parce que voilà, je vous présente des classes, des gameplays et tout. Et voilà, lâche ton gros pouce bleu, bordel! Enfin bref, au niveau de la best class setup, vous savez que je joue toujours avec 5 accessoires, donc on va d'abord se retrouver pour le premier silencieux et non pour le silencieux agency, donc c'est quand même assez important de jouer avec le premier silencieux étant donné qu'on va pas perdre trop de portée des dégâts et de vitesse des balles, donc plutôt assez intéressant. Par contre, on va jouer avec le quatrième canon pour 100% de vitesse des balles, qui est beaucoup plus intéressant que le dernier des canons. Ensuite, au niveau de l'accessoire de canon, on va se retrouver avec la poignée agent de terrain, le dernier chargeur et la dernière poignée arrière. Alors, éventuellement, si vous êtes intéressé au niveau du chargeur, vous pouvez mettre le chargeur presse de 34 cartouches. Le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de munitions et je préfère très clairement jouer avec les 44 cartouches. Voilà, et puis évidemment, je vais vous proposer un deuxième gameplay pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de l'arme. D'orange. Et après, chaque 50 niveaux, tu débloques des clés de prestige. Le système est super simple hein, sur Cold War. Vraiment super simple. La KU a reçu un sacré nerf. Oui et non, tout ce qui est corps à corps. Tout ce qui est corps à corps, pas tellement, mais c'est vrai que tout ce qui est mid-fight. Faut reconnaître que mid-fight, ça. Tu ressens la différence avec la KU, quoi. J'aimerais bien pouvoir avancer un peu là. Ouais, bon, LC10, quoi. Il manquait plus qu'un, dommage. Exactement. Yo, Rage Kid, comment tu vas? Ça fait longtemps, frérot. Faux frère de Rage Kid. Je te vois sur d'autres lives, mais je te vois plus trop sur les miens. Hein, monsieur Rage Kid? Je te vois sur d'autres streams, mais plus les miens. Tu me fais la gueule, c'est ça? Tu décides de plus regarder ton streamer multiplayer préféré? Espèce de traître. J'aimerais bien pouvoir avancer. Comment j'ai réussi à te tuer derrière le caillou? Oh putain. Lightbox qui est éclaté aussi. Hein. Mon dieu, la galère. J'aimerais bien pouvoir avancer. Hein. Je vous jure, j'aime pas du tout cette position, mais j'ai pas le choix en fait. Ils sont tous derrière le rocher et il y a aucun allié qui veut push. Merde, j'ai même plus de mun. Tu veux que je fasse quoi? J'ai le harp, ok, d'accord, mais je suis censé faire quoi en fait? Il n'y a aucun allié qui veut pocher à droite. Bon, quoique je pourrais balancer la distraction maintenant, mais wesh, c'est. Les alliés, vous pouvez pas un peu poche sur la droite s'il vous plaît? Je me sens vraiment seul là hein, sur la droite, hein. Je suis en train de contenir contre. Ah bah voilà! Ouais, bon, enfin, il se fait laver en 2 secondes aussi. Oh là 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 là, ils sont tous à droite, les ennemis. Mais je peux pas, genre vraiment, je peux pas! Mais laissez-moi passer, bordel! Putain, j'ai même plus de mun, quoi, c'est. Oh, je suis en train de bloquer à droite. Tu BZ meilleur, je préfère la FFR. Comment ça, hitmark? Bon. On va attendre. Dernier coup de machine de guerre, j'ai plus le droit à l'erreur. Si je tape la nuque comme ça, je suis désolé, c'est immonde, mais vous voyez bien que je peux rien faire. Harp ennemi ! Pardon ? Mais tu veux ? Mais regarde-moi ces alliés de merde !
Non mais les... non mais là c'est pas possible. Bon bah nuque contre...